Eh bien salut les amis, c'est Kamado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Maker sur Wii U. J'espère que vous allez tous très bien, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et n'oubliez pas non plus dans les commentaires de cette vidéo de mettre vos niveaux sur Super Mario Maker pour que je les fasse probablement, peut-être, on verra dans une prochaine vidéo. Là j'ai sur l'appli Bookmark qui est genre vraiment trop bien, et ben j'en ai mis plein. Là genre j'ai fait une liste d'énormément de niveaux d'avance, donc on va commencer à les faire. Je sais pas combien j'en ferai aujourd'hui, mais il doit y en avoir 8 dans la liste, donc j'en ferai pas 8, hein, c'est sûr, mais on va avancer, on va la faire petit à petit, puis au fur et à mesure moi j'en rajoute en fonction de vos commentaires. En ce moment aussi je regarde énormément de vidéos sur Super Mario Maker 2, j'ai trop hâte que je sorte. Enfin bref, allez, on va y aller. Et on commence par le niveau Wario Fortune Run de Jules. Ok, d'accord, ça mettait 3 plombes à charger. Ah oui, si, je me souviens de ton commentaire, t'avais dit qu'il était pas très dur, c'était un espèce de speedrun, et le but c'était de récupérer le plus de pièces. Donc si vous avez fait... D'accord, si vous avez fait aussi ce niveau, n'hésitez pas à dire dans les commentaires combien de pièces vous avez ramassées. Attendez, c'est ouf! Oh, oh, oh. Ok, d'accord, très bien. Bon, aïe, j'avais plus Wario. C'est dommage, j'étais au checkpoint! Ah, trop dommage! Attendez, alors, j'ai essayé de tout ramasser. Mais en fait, on a énormément de temps. Enfin, t'aurais dû limiter le temps, parce que sinon, en fait, tu peux t'arrêter et ramasser les pièces petit à petit. Bah ouais. C'est un peu dommage ça par contre, parce que je pense que ça aurait été un peu plus intéressant si t'avais en sorte que on ait presque tout juste le temps, genre avec 5 secondes de plus, 5 secondes de moins pour le finir. Comme ça, genre, bah effectivement, il aurait fallu réellement se dépêcher. Ok. Oulala, 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 oulala. Je m'attendais pas à ça. Ok. Ah non, 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 non. Ah bah voilà, parfait, j'en ai eu combien de pièces? Bah j'en ai eu plus d'une centaine parce que j'ai gagné une vie. Donc en vrai j'en aurais... Ah bah non, ça compte plus celle après la fin. Ah, j'aurais dû sauter au-dessus du truc pour les récupérer, bref. Donc sans compter celle après, j'en ai eu donc 113. Il doit y en avoir combien sur le niveau? Parce que j'en ai loupé quand même quelques-unes, hein. Il doit y en avoir peut-être 130, 140, quelque chose comme ça. Bon, par contre c'était très facile, mais effectivement t'aurais... Je pense que t'aurais vraiment dû mettre un chrono limité à genre, peut-être pas 20 secondes quoi, mais genre 25 ou 30 secondes. Parce que là, le problème, c'est que bah tu peux récupérer toutes les pièces super simplement en fait. Enfin, t'es pas obligé de rusher à la fin du niveau. Enfin bref, on passe à la suite. Et on est parti pour le niveau Croco-Troll. Oh non, encore un niveau troll, il manquait plus que ça. Bon, vu le niveau super facile qu'on vient de faire... attendez, attendez, quel piège va y avoir là? Je suis sûr que déjà il va y avoir un piège là-dedans. Par contre, ça commence déjà en étant super joli. What? Attendez, il y a un problème là, comment... Bon, je vais pas le prendre, mais comment j'ai fait pour... Parce qu'il n'y a pas d'objet qu'on est sorti du truc, j'ai pas compris. D'accord. Mais attendez, mais il y a des blocs cachés ou quoi? Je comprends pas. Je pouvais pas avancer comme je le voulais. Ouais, je peux pas avancer comme je veux. Ok. C'est plutôt bizarre. Genre, en fait, peut-être qu'il cache des objets derrière certains trucs, non? Il y a moyen? Oh non, 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 non. Ah bah ouais, mais je suis mort maintenant. Ah bah d'accord. Ah bah effectivement, ça commence bien ce niveau. En plus, il avait mis un petit smiley en mode genre... tu t'es fait troll. Oui, je sais. Alors, je pense qu'il faut aller là. Ok, et ensuite... D'accord. Faudra aller chercher la clé qui est là. Mais attendez, ça va être chaud parce que ça descend vite, non? Pas si vite que ça, je m'attendais à ce que ça descende plus vite. Y'a un truc là? Non? Oh non! Oh non! Oh non! Je m'attendais à ce qu'on puisse rentrer dans le tuyau de gauche! Je me disais, on sait jamais! Bah si! Faut pas croire! Faut pas croire avec lui! Ça c'est étonnamment facile en fait! Vraiment étonnamment, hein! Oula, là il va y avoir d'autres trucs! Ok, je peux passer en dessous! Très bien, oui, c'est étonnant que ça puisse pas... Oh là, oh là, ok. LOL. C'est pas très drôle, si. What? C'était un troll? Mais alors, je vais où, moi? Parce que là, je me retrouve un peu bloqué. Je sais pas où je dois aller après. Ces trucs-là m'intriguent. Genre, y'a pas un truc caché en haut? Je sais pas, hein. C'est bizarre, ça m'intrigue. Parce que là, le problème, c'est que... Bah, y avait rien, là-bas.
genre même si j'y vais, je vois pas... Bah ouais, je vois pas, je sais pas. En fait, le problème, c'est que... Je sais pas, parce que le niveau, il est plein de trolls, mais en plus d'être plein de trolls, c'est que je vois pas où est la suite. Il y a un truc là, ouais, on peut aller là, mais ça sert à rien. On peut peut-être rentrer là-dedans. Je vais attendre qu'il... Voilà, vas-y. Parfait. Aïe, je ne crois pas qu'on puisse y aller. Bah non, mais je suis désolé, je vois vraiment pas, hein. C'est dommage, le niveau a l'air vraiment bien, mais je comprends pas, je sais pas où je dois aller. Si je comprends bien, en bas, c'est donc un troll. Mais il n'y a aucun autre endroit qu'en bas où je puisse aller. Je peux pas rentrer dans le tuyau qui est là, si. Ah, d'accord, ok, si, si, j'avais bien vu alors au départ. Oh, oh, oh. D'accord, très bien, merci. Ok. J'avais bien vu, en fait, c'est que après je pensais plus du tout y aller, mais c'était ça la solution. Ça, il me touche, là, non? Ouais, il me touche pas. Il y a un truc, là? Non, il n'y a rien du tout. Ça va être chaud, ça. Ah ouais, non, 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 non. Au niveau du timing, ça va être chaud. Oh là là, oh là là. Mais comment je vais faire? Quoi? Au niveau du timing, ça va être vraiment chaud. Mais attendez, mais j'avais mon champi, je l'ai perdu quand? Ah, je l'ai perdu là. C'est vrai, je l'ai perdu là. Mais attendez, c'est bien par là qu'il faut aller? Ouais, je vois pas où on puisse aller d'autre. Hein. C'est forcément par là. Surtout qu'en plus, ça nous fait attendre à chaque fois. Y a pas un truc en haut, genre y a pas un bloc caché ou... Non. Pas du tout. Faut attendre une bonne synchronisation. Mais à quel moment Ah, là. D'accord, ok. C'est une blague. Je pense que j'aurais pu y aller en plus. Je pense que si j'avais c'était comme il fallait, j'aurais pu y arriver. Hein. Ça va être chaud. Allez. Mais non, mais... Je sais pas, parce que... Je peux pas l'activer, le truc qui est là-bas en avance. Je sais pas du tout, hein. Genre, il est super mal placé. C'est ouf. Allez, j'attends pas. Ok, c'est ça. Faut pas attendre. Attendez, il va y avoir d'autres trucs, là. Déjà, faut pas aller en haut, hein. Quoique... Hein? Ah, si. Si, 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 si. Parce qu'après, il faut redescendre. Oui, sans se prendre les bouts. Ce serait quand même une bonne idée. Mais attendez, mais je vais être bloqué là-haut, hein. Non? Non. Ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, très bien. Hey, yes! Oh non. Hein? Comment je pouvais sortir de ça? Mais j'avais la clé pourtant, comment je pouvais faire? Faut bien que j'y aille, j'ai pas le choix. Et là, les trucs en bas, on peut pas les récupérer. De toute façon, même si on les récupérait, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, parce qu'on pourrait pas prendre la porte ou le tuyau avec. Donc, ça servira à rien. Mais je sais pas, je vais me retrouver encore bloqué, c'est bizarre. J'ai peur qu'ils fassent des trucs cachés dans les murs et tout. Je sais pas, je sais pas trop. Y'a rien, là. Je vais me retrouver bloqué dans la salle, hein. Pourtant, j'ai la clé, là. Non mais attendez, mais c'est une blague. C'est une blague, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux pas en sortir d'ici. Parce que même si j'évite les trucs, je sais pas. Je persévère, hein, je continue, mais je comprends vraiment pas parce que... Là je suis bloqué et quoi que je fasse... Mais non, mais on peut pas en sortir d'ici. Oh non, ça m'énerve, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai recommencé le niveau pour essayer de faire un truc qui me stressait quand même déjà. Ça, faut que ça descende. Oh non! Non, mais il faut s'en débarrasser de... Parce qu'en fait, il doit y avoir un truc dans ce point d'interrogation. Même si, dans tous les cas, quel que soit le truc qu'il y a dans le point d'interrogation, bah, le niveau, on est censé quand même réussir à le terminer en étant dans... à partir du checkpoint. Donc, il y a peu de chances que j'étais vraiment dans le mauvais chemin. Ah, par contre, il est haut, le truc. Attendez, venez là, allez... Ouais, j'aimerais bien qu'il me tue pas. Non, c'est bon, ok, parfait. Bah, il faut que je prenne de l'élan pour sauter, mais... Ah bah! C'est effectivement pas un troll, même si ça m'étonne quand même. Ok, bon. Mais...
Mais non, mais c'est pas possible, parce que de toute façon, le niveau pour le valider, il faut l'avoir terminé en commençant du début du niveau et en commençant depuis un checkpoint. Donc ça peut pas être ça la suite. À moins qu'il y ait plusieurs chemins. Quoi ? Peut-être, je ne sais pas. Non, ça va être un autre troll, vous allez voir. Ou pas. Ah, on peut prendre qu'une clé à la fois, d'accord, ok. D'accord. Ok. Ça va continuer encore longtemps, ça ? Oh non. Oh non. Mais attendez, mais je peux pas monter alors, parce que... Ah bah oui. Ah, mais attendez, attendez. Non. Non. Peut-être ici. Ça va être chaud, ça. Après, j'ai pris un checkpoint pas loin, donc je rapporte au checkpoint, mais normalement, on est obligé, pour valider les niveaux, de les terminer en étant du checkpoint. Non, mais attendez, mais il n'y a rien d'autre ici. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Mais c'est incompréhensible. Et si je récupère pas les clés, ça change quelque chose? Bah, d'accord, ok, très bien, mais... T'es obligé de les récupérer, mais après on va se retrouver bloqué, mais je vois pas. Bah ouais, ça c'est normal. Je peux prendre plusieurs clés. Je peux prendre plusieurs clés quand elles viennent des blocs, mais pas quand elles sont comme ça, d'accord, ok. Enfin ça ne changeait, on est toujours bloqué, à moins que, bah non, il peut rien avoir en bas, sinon on le verrait. Ok. J'ai appris un truc en fait, donc je me suis suicidé pour vous le montrer, mais j'ai compris un truc que j'ignorais tout à fait. C'est que voilà, si tu sautes pas, et ben genre t'es emporté avec les trucs. Ah, je savais pas du tout, je le savais absolument pas. Ah, peut-être que j'aurais dû récupérer des trucs, enfin des clés en plus, je sais. Aïe. D'accord, très bien. Peut-être que je devrais récupérer quand même des clés d'avance, non? Ah, mais j'ai peur de me retrouver bloqué si je fais un truc pareil. Mais quoi? Mais pourquoi des fois on peut en récupérer deux et des fois non? Je sais pas comment ça marche. Bref, ok. Très bien. On n'aurait pas une tout là-haut? Ok, bah non. Bah je sais pas, j'en ai deux, je sais pas pourquoi. Bref, comme ça peut-être que je pourrais ouvrir une porte de plus s'il y en a une. Donc faut pas aller en haut là. Ok. Allons voir par ici. Non, c'est pas bien ça. Hein. C'est pas bien du tout, hein. Je me souviens, j'étais déjà allé là. Ah ouais, non mais c'est pas bien. Ah, quoique. En théorie, c'est pas bien, mais il y a peut-être un autre truc de l'autre côté, non? Je sais pas. Ce niveau, c'est genre à tâtons, quoi. C'est ouf. Me dites pas qu'il y a une liane derrière ça, et qu'il faut monter. Oh, ça doit être ça. Parce que là, en fait, je dois vraiment me retrouver bloqué. Là, je dois rien avoir à faire. Là, je pense que c'est mort. Ok, je crois que je comprends. Quoique... Quoique, non, on peut pas rentrer là-dedans. Lui, il peut pas mourir, non? Il voudra pas. Il a pas l'air de vouloir mourir. On peut pas rentrer là-dedans, je pense pas. Quoique, peut-être que si. Hein. Sinon, j'ai une autre astuce. Mais alors, pour ça, faudrait vraiment louper toutes les clés. Faudrait récupérer zéro clé sur le chemin. Ça, à mon avis, c'est ça le troll. C'est pas récupérer les clés. Ce qui peut... Ce qui est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, si t'as la clé... Quoique, mais... Ah bah ouais, si, si. Parce que si tu récupères une clé, t'es obligé de prendre la porte. Il faut pas prendre la porte, je pense. Comment on va faire, alors? Oh, je sais pas comment j'ai fait, mais très bien. Bien, on fait gaffe. C'est pas fini, hein. Ça va être un petit peu plus chaud. Non, c'est bon. Très bien. Parfait. Ok, d'accord. Bon, là, j'ai compris. J'ai compris assez rapidement. C'est pas pour autant que c'était facile, mais... ça me paraît un peu trop simple, là. Ça me paraît vrai... Ah! J'ai compris. Non? Pourquoi ça t'a pas fait tomber, là-haut? C'est bizarre. Je m'attendais à ce qu'il tombe, en haut. Mais écoutez, s'ils sont pas tombés, tant mieux, mais... Bref... Là, pour le coup, ça paraît bizarrement trop facile. Oh non! Ah! Oh mon dieu, mais attendez. Je monte là?
sûr, c'est pas un piège. Vraiment? Mais je lui fais plus confiance du tout là, Croco. Je sais pas, hein, je me dis, dans les Super Mario Bros, des fois, faut faire des trucs comme ça, là. Ouais, mais... Quoique... Oh, ça m'a l'air d'être vraiment un piège. Ça m'a vraiment l'air d'être un piège. Et si je tombe dans le trou? Ça pourrait être un truc logique pour lui de se laisser tomber dans un trou. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, très bien, d'accord. J'aurais peut-être dû garder le Koopa. Bah non, parce qu'il peut pas savoir si t'as un Koopa ou pas. Tu peux avoir un Goomba, tu peux avoir un Champi, tu peux avoir autre chose. Là, j'aimerais bien un petit checkpoint. Oh oh. Oh oh. What? Me suis-je loupé? Je sais pas, c'est bizarre. Quoi? Je suis revenu ici? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je sais pas comment j'ai fait pour passer ça si vite, mais c'est pas possible. Parce que là, je vais rien avoir changé, ça va... je vais toujours être bloqué. Attendez, j'étais allé super loin dans le niveau. Quoi? Là, c'est fini, je suis mort. Bah ouais. Mais je comprends rien. Je sais pas. Je sais pas du tout, je pensais être sur la bonne voie. Mais attendez, mais ça m'a sauvegardé ici. Mais c'est quoi ce délire? Ah non, oh non, c'est pas drôle du tout. Bref, bah non. Ça m'énerve, ah, ça m'énerve de ouf là. Ça fait longtemps que j'avais pas été autant énervé en vidéo. Mais c'est quoi ce niveau? Mais me donnez pas des niveaux comme ça. Mais vous attendez à quoi? Mais ça fait genre plus d'une demi-heure que j'y suis. Et j'y comprends rien du tout. D'accord, je vous conseille pas de le faire ce niveau. Hein. Bref, allez. Manoir concours mise à jour. Ah, de Corrosic. Ah tiens, mais salut à toi mon pote. Bon, voyons voir. Est-ce que ça va être un petit peu moins troll? Parce que franchement, il m'a gavé le niveau précédent. Hein. Vraiment, à un point que j'ai rarement vu sur Super Mario Maker. C'est quoi cette histoire? En plus, j'ai l'impression qu'il y avait des bugs partout. C'est normal de pouvoir mettre des objets les uns par-dessous les autres? On peut pas faire ça. Il y a aucun Mario où ça marche comme ça. Par contre, c'est stylé ça. Attendez, il y a un truc là? Il y a un bloc caché? Ah oui. D'accord. Il y aurait pas un passage en bas? Non, on va dire que non. Ok. Par contre, en haut, il y a probablement un truc. Non, non, non. Descends. Mais parfait, parfait, parfait. Ah, mais je vais où? Il y a plein de chemins différents. Ça, je devrais probablement y aller si j'ai un interrupteur P à un moment. Là, les boosts, c'est assez relou, hein. Je peux le tuer, lui? Non, je peux pas. D'accord. Non. Et pourquoi ça tire pas plus bas? Bon, d'accord, pourquoi pas. On va regarder dans le bon sens. Comme ça, on pourra détruire les blocs comme il faut. Ah, mais attendez, mais ça va activer le truc, là, non? Ah oui, est-ce que c'était ce que je voulais? Je peux aller en haut, Je sais pas, il y a plein de chemins qui s'ouvrent, je sais pas lequel est le bon. Ah bah pas celui-là. Probablement pas celui-là. Aïe. Ok. Ah mais attendez, mais on perd notre champignon obligatoirement? Peut-être en bas? Oh, what? Ah bah oui. Il a réactivé le bloc. Bah ouais, parce que le reste il a réactivé le bloc vu que les trucs étaient détruits. Mais je sais pas trop par contre. Faut que je trouve le bon chemin. En fait c'est ça, faut que je trouve le bon chemin. Voyons voir. Ça, j'ai pas besoin de les détruire parce que, genre, en activant... Mince. En activant le switch, je pourrais m'en sortir. Faut faire ça rapidement, hein, parce qu'ils sont relous, là, les bouts. Hein. Ah, mais attendez, mais il va jamais tomber dessus, maintenant. Ah bah oui. Ah mince. Ah, c'est pas mal. Ah si, 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 il va tomber quand il sera tombé sur le tapis roulant. Ça va peut-être mettre du temps, mais il va y arriver à un moment, probablement, je ne sais pas, j'espère. Mais sérieusement, mec! Vas-y! Parfait, ok. On va essayer d'aller en bas. Je pense que ça pourrait être en bas. Je peux pas être sûr, bien entendu, mais... Il doit y en avoir un autre aussi tout à gauche, non? Ah non! Ok. Attendez, c'est déjà la fin?
Dans cette vidéo, c'est qui te double. Soit c'est des niveaux genre super durs de trolls de partout, soit c'est des niveaux assez simples. Mais ça va, ça me dérange pas. Mais ouais, il me semble que t'avais dit dans ton commentaire que ce niveau... Je l'ai pas là, je regarde mon écran, mais en fait je l'ai pas le commentaire. Mais je crois que t'avais dit que t'avais fait ce niveau pour inaugurer la mise à jour, les nouveautés de la mise à jour. Parce que c'est vrai que les portes P... Elles n'y étaient pas de base, elles ont été ajoutées avec la mise à jour. La mise à jour, enfin il y a eu deux mises à jour principales je crois, qui ont ajouté aussi les bumpers donuts là, qui ont ajouté aussi les pièces rouges, qui ont ajouté aussi les gros pylônes qui descendent, et je sais plus quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Enfin bref, passons à la suite, mais il était cool ton niveau. Et Juju a fait un niveau qui s'appelle les aventures de Talo et Mimi. Ce sont mes chats, hein, pour ceux qui le savent pas. J'ai vu qu'ils étaient représentés là. Voyons voir. Est-ce qu'on va jouer des chats alors? Probablement, non? Ah, peut-être pas. Si. Ah. Ah, je m'attendais plutôt à jouer le chat de Monster Hunter. Bon, il est plus mignon lui, Mario Chat, mais je m'attendais pas à ce que ce soit lui. J'avais d'ailleurs oublié qu'il était jouable. Ok. Donc alors là, c'est lequel? C'est Mimi ou Talo? Je sais pas, je les reconnais pas. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que ces tuyaux qui sont dans les airs? Je savais même plus qu'on pouvait en faire. Oh oh, oh oh. Ah. Ah bah, Mario, c'était Talo, parce que c'est un mâle. Et Peach, c'est Mimi. Non, non, non. Ouf. Dans tous les cas, c'était nul. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, je serais allé là-bas, ça n'aurait rien changé. Je serais mort quand même. Je pense qu'il faut aller en bas, non? En bas, il a l'air d'avoir un chemin, mais comment on fait pour y aller? C'est quand j'active l'interrupteur, après je peux pas faire demi-tour. Je peux pas revenir dans l'autre zone. Ou alors ici? Bonne question, bonne question. Je vais essayer d'aller à gauche. J'en ai activé qu'un seul. Je sais pas, hein, ça se trouve, y a rien, mais... Il y a effectivement rien, d'accord. Bah... Si je me laisse descendre, il va y avoir du vide aussi, non? Ah, c'est du vide en bas, c'est sûr. Donc là, c'est Mimi. Attendez. Y'a rien? C'est bizarre. C'est bizarre. Je peux pas passer au travers des pics, ça me bloque. Mais je peux le reprendre le tuyau, qu'est-ce que je fais? Je suis bête. Je peux le reprendre dans l'autre sens, à moins qu'il soit trop haut. Je pense que je peux le reprendre. Je pense que c'est juste ça, en fait. Bah ouais. Je prends mon élan et je saute et je dois pouvoir l'avoir. Bah oui, il est pas si haut que ça, qu'est-ce que je raconte? Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Je sais pas si j'aurai le temps, par contre. Non, non, non. Ouf, bien. Ah! C'était un troll aussi. Ah non, si, parce qu'on était obligé de faire le tour comme ça. D'accord, ok. Non, non. Parfait. Ouf! Non, non! Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Voilà, faut attendre que les pièces redeviennent des blocs. Je vais devoir courir. J'avais peur de tomber de l'autre côté, mon dieu. Et ce niveau, il est plein de trolls partout aussi, hein. Enfin, pas autant que le précédent, mais... bah, c'est pas vraiment des trolls, mais c'est pas si facile que ça, hein. Ok. Oh oh, je peux avoir une vie? Je ne l'aurai pas. Ok. Très bien. Mais c'est quoi ces tuyaux dans le vide? Tu devrais faire des plateformes sous les tuyaux. Je trouve ça super bizarre, les tuyaux qui volent dans le vide. Bon, après, tu fais comme tu veux, mais là, je trouve ça mieux quand il y a juste une petite plateforme en dessous. C'est pas très esthétique, sinon. Il y a peut-être un passage de l'autre côté, non? Ah! Peut-être que si. Je ne sais pas. Y a rien? Y a rien du tout. D'accord, donc je vais devoir avancer comme ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Peut-être en sautant de tout là-haut? Je sais pas, hein. Bon, alors la question que je me pose, qui est de comment passer cet endroit, ce serait probablement de courir comme ça et... On économise quelques secondes, hein, c'est pas énorme. Non, ça peut pas être ça. J'ai pas du tout assez vite. À moins que... Bah si j'arrive à tomber sur les tombes, mais c'est trop chaud de tomber sur les tombes, j'ai pas assez d'élan. Ok. Le niveau qui semblait absolument pas difficile, d'un coup, juste à la fin, ça devient quand même assez chaud. Ce serait quand même bien mieux d'avoir une étoile ou une fleur de feu, hein, parce que sinon, je vois pas trop. Y a pas un... J'avais déjà regardé, y a pas d'autres blocs cachés en hauteur. Là, y a rien. Rien du tout, hein. Je vois pas trop.
Ok, oui, oui, ce serait bien de pas tomber quand même, mais c'est bizarre. Ne dis pas que c'est encore un bloc caché quelque part. Je saute pas du tout assez loin. J'ai réussi à garder Mario Chat jusqu'ici. J'ai juste pas pris Peach au début. Mais je reste quand même un petit peu bloqué, hein. À mon avis. Il doit y avoir un bloc caché ou un truc du genre quelque part. Mais où ça? Je sais pas, j'ai quand même fouillé. Ah, bah ok, d'accord, je suis forcé à prendre Peach maintenant. Où ça? Je sais pas trop, hein. Parce que j'ai déjà fouillé quand même pas mal d'endroits ici, hein. Oh! Ah bah ok. Attendez, c'est bien ce que je crois. Il y avait effectivement un bloc caché. Attendez, il faut juste que je vérifie. Allez, parce qu'il n'y a qu'une seule pièce dedans, mais... Ok. Ah! Mais alors c'est à ça que ça servait. Eh mais en fait c'est plutôt malin. J'avoue que... Généralement, j'aime pas trop les blocs cachés et trucs comme ça parce que souvent c'est juste rageant et c'est juste genre le créateur du niveau peut terminer le niveau et les autres, bah, débrouillez-vous, sautez au hasard. Mais en fait, là, c'est malin en fait parce que genre cette zone-là, elle a l'air de servir à rien. Et elle sert littéralement à rien. En fait, sa seule fonction, c'est de t'indiquer qu'exactement au même endroit, dans la salle précédente, il y a un mécanisme similaire. Ah, c'est malin ça! Ça c'est malin pour le coup. C'est malin parce qu'effectivement c'est un bloc caché dans le vide, mais finalement il y a moyen de le trouver. Bon, je l'ai trouvé au hasard. Hein. J'ai pas fait le truc comment. J'ai pas fait les calculs mentaux là, dans ma tête pour y arriver. Mais bon c'est quand même plutôt malin. Ça c'est pas malin par contre. Ok, d'accord. Ben voilà, maintenant on va pouvoir y aller. On va pouvoir avancer sans problème. Ouf. Alors voyons voir. Faut que je leur saute dessus. Non, je peux leur sauter dessus, je crois. Hein. Oui, ça marche mieux comme ça. Ils sont obligés de tomber. Non, vaut mieux qu'ils tombent pas. Bah ben ouais, tombez pas comme ça, on passe comme ça. Je vais essayer de la garder jusqu'à la fin cette botte. Ouh, y aurait pas un truc à droite? On va pas les voir. On va continuer comme ça. Oh oh. D'accord. Je peux le tuer lui? Ouais, bien! Oh oh. On n'est pas obligé de le tuer, mais on peut le faire. Ouais, allez, c'est bon. Il y a des power-up à l'infini et tout. On peut essayer. Je sais pas si je peux la tuer, la plante. De toute façon, la plante, elle est pas si gênante que ça. Surtout qu'il suffit d'amener Bowser Junior ici. Et c'est bon, la plante, on la voit plus. Hein. Yes, allez. Genre c'est un petit boss de fin de niveau, même si je pense que j'aurais pu le passer, il y a une porte, donc Allez, allez. What? Ah bah fallait peut-être pas le passer alors. Attendez, juste... Ok, est-ce que je peux rentrer dans le tuyau? Non, il n'y a rien, d'accord, très bien. Voyons voir. Oh, c'est mon logo! Il y a un truc tout en haut. Peut-être un bloc, non? Je sais pas. Bon, ok, c'est pas grave, et là, mais tout ce... ça me perturbe quand même, ces tuyaux dans les airs, ça me perturbe énormément. Oh oh oh. D'accord, c'est pas un piège j'espère, parce que c'était la fin là. Un autre boss? Trois autres boss d'ailleurs, ok. Heureusement que j'ai les bottes, hein. Les bottes me simplifient énormément la vie, hein. Enfin, la botte plutôt, j'en ai qu'une. Oh oh, je suis retombé dessus comme ça sans trop le faire exprès, mais très bien. Donc il y en a un que je vais bientôt tuer. C'est lui, non? Mince. C'est lui? Ouais, c'est bon, ok. On a plus que deux. Sortez de votre carapace, là! Mais il donne rien, c'est juste un petit bonus. Tu sors de ta carapace ou quoi, là? Ah, voilà. Parfait. Ouais, là, ils étaient un petit peu mal synchronisés. Ça n'allait pas du tout. Il y en a peut-être un qui donne une clé, hein, je sais pas. Ah, on dirait pas. Eh ben non. C'était juste un petit bonus comme ça. Trois petits Bowser Junior, d'accord. Bon, bah on va terminer ce niveau tranquillement, si je tombe pas. Ouh, en ayant le sommet. Yes! Ouf! Bon, en plus, ma caméra, enfin la batterie de ma caméra s'était éteinte. Enfin, non. Ma batterie n'avait plus d'énergie, donc ma caméra s'était éteinte. Donc, je pense que c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle durera, hein. Ça se trouve, elle sera plus courte que les autres, mais je sais pas. Ça fait une heure que je suis en tournage, mais je sais pas trop avec le niveau. Oh, première réussite! Ok! Avec le niveau que je vous aurais sûrement beaucoup coupé.
Donc bref, bah les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Maker sur vos niveaux. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve eh bien très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut !